C'est Malox, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de dessin et c'est le premier d'une longue série, j'espère, qui va vous plaire. Alors aujourd'hui, je me suis dit, le basique, mais qui est des fois assez compliqué pour en faire un joli Pikachu. Ouais, juste ça. Alors je vais vous donner des petites astuces, voilà, au moins vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins je vous les aurai montrées. Donc moi au début, vous voyez, vous faites un rond, comme ça. Faites un rond, puis vous faites ça. C'est simple, hein, c'est un rond avec un trait qui passe au milieu. Voilà. Donc ensuite, vous allez continuer et vous allez faire un corps. Hop. Une fois que ce corps est fait, oula, je l'ai un peu mal fait par contre, les gars. Après, vous voyez, c'est juste les proportions pour vous aider. Vous faites des oreilles. Là, vous voyez déjà, on ressemble un peu à un Pikachu déjà, de base. Après, je vais améliorer un peu pour vous montrer le résultat final, bien sûr. Puis après, vous faites des petites pattes. Des petites pattes, regardez, bim, comme ça. Comme ça. Alors là, vous voyez, première erreur, je les ai fait un peu trop grosses, les pattes. Donc, vous savez quoi, je vais vous laisser comme ça. Et on se retrouve quand j'ai fait les pattes. Donc on se retrouve, voilà, j'ai fait les petites pattes et maintenant on va continuer avec les petits pieds. Donc comment on va faire? Alors les pattes elles sont pas finies, hein, vous imaginez bien, mais comment on va faire pour les pieds? C'est très très simple, on dirait que c'est compliqué comme ça, mais c'est simple, vous allez voir. On prend un petit arc là, voilà, et on fait ça, un petit arc, et on va le refermer. Vous voyez, ça fait comme un rond, mais on va pas le finir le rond, vous allez comprendre pourquoi. Alors là maintenant, on va prendre ça, à partir de là, et on va faire les petites pattes. C'est simple comme bonjour. Hop là, donc là vous voyez, vous avez votre base de pattes, et là, on va prendre comme ça, et on va faire comme ça. Alors c'est un tuto, je m'applique pas non plus des masses, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Je ferai d'autres vidéos plus travaillées, mais là vraiment c'est la première pour bien vous montrer toutes les étapes à suivre. Donc là ensuite, vous voyez, on va prendre comme ça. Hop, et on va faire la queue, tout simplement. Il n'y a pas 10 000 façons, vous faites ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, vous voyez déjà, on a notre base de Pikachu. Hein. Et ça commence à devenir un Pikachu. Il n'est pas encore opérationnel, notre Pikachu, mais il est déjà très très bien, je trouve. Donc là, vous voyez, on va faire. Hop là, comme ça. N'ayez pas peur de dépasser sur la patte. Si vous faites des pattes un peu plus sur le côté. Moi, je ne les ai pas faites sur le côté, mais n'ayez pas peur. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire un peu plus large le Pikachu. Pour justement, si vous voulez en faire un dessin ou quoi. Moi, c'est un croquis. Donc, vous voyez déjà, la patte, elle est comme ça. La petite queue de Pikachu. Donc, ensuite, on va passer à bien tout remettre en forme. Regardez. Hop. Là, vous voyez, ici, on va faire un petit truc. Ça. C'est pas compliqué, hein. Hop. On va s'arrêter là. Vous voyez, là j'ai fait une petite encoche. C'est pas pour rien. Une petite encoche qui dure 2 secondes. Là, on va améliorer un petit peu. Je retravaillerai pour le résultat final, ne vous inquiétez pas. Et là, l'étape la plus importante pour moi dans le dessin, les yeux et la bouche. Ouais. Donc là, vous allez faire ça, regardez. Un rond. Deux ronds. Oula.
Et là, vous voyez, on va faire une bouche. Une bouche. Alors, petit conseil, là, vous voyez, je me suis trompée un peu pour les proportions. N'hésitez pas à faire plus large. Vraiment. Moi, je l'ai fait comme ça parce que, ben voilà, je l'ai fait comme ça. Mais je l'ai fait un peu court, moi, mon Pikachu. Parce que je voulais pas non plus lui montrer un Pikachu de fou, hein. Donc, faites un peu plus large. Donc, je vais faire une petite pause, le temps de remettre tout en ordre sur mon Pikachu. Donc là, je vous reprends parce que mon Pikachu, regardez, je l'ai un peu amélioré. Voilà, donc là, peut-être sur le rendu caméra, c'est pas aussi bien. Mais voilà, là, mon Pikachu est presque opérationnel. Mais il lui reste un peu de choses à revoir, comme les pattes. Regardez ses pattes, le pauvre. Il en a même pas. Donc là, vous allez faire un truc. Vous allez faire ça. Hop là. Et vous voyez, sa base de pâte est faite. Alors moi, ce que je vous conseille peut-être, c'est de gommer la fin. Alors c'est une gomme mi-pain qui est très très bien pour les détails et de le refaire. Regardez, on va le faire ensemble. Hop. N'hésitez pas à vous appliquer et tout. Moi, c'est pour la vidéo ne soit pas trop longue. Je fais des pauses, j'essaye de faire plus rapide, mais on ne sait jamais. Hop là, c'est un vrai Pikachu là de compète. Non, je rigole. Il est déjà assez bien, ça va. J'ai pas eu non plus beaucoup de temps pour le faire. Hop. Hop là. Donc là, vous voyez, le Pikachu, il commence vraiment à ressembler à quelque chose. Alors, peut-être que cette pâte, elle est assez grosse. Donc, vous voyez, on va faire ça. N'hésitez pas à jouer avec les proportions. C'est toujours très amusant de remettre un peu en ordre tout ce qu'il y a à remettre. Là, on va faire la petite pâte. Hop. Hop. N'hésitez pas à faire des ombres et tout. Voilà, j'en ai pas fait. Et là, vous voyez, on va faire un truc. On va partir là. Pour que le Pikachu fasse ça. Là, le Pikachu, on va le faire comme ça. Hop, là, on va le faire revenir avec sa patte. Et là, tout simplement, il est bientôt fini. Pas encore, hein. Là, on va refaire sa patte là. Vous voyez, ça va faire ça. Hop. Puis, là, on va faire sa queue comme ça. On va la remettre un peu en ordre. Même si moi, j'ai pas trop besoin de la queue, ça va. Et ensuite, pour bientôt finir, il faut passer au plus important. Alors, là, comme vous voyez, le truc de Pikachu n'était pas très bien fait. Donc, on va faire un truc. On va gommer. Enfin, moi, je gomme toujours. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes satisfait du résultat, ne gommez pas, ça ne sert à rien. Hop, et là. Hop là, comme ça, regardez. Il commence à être joli, notre Pikachu. Oula, j'ai fait tomber un truc. J'ai fait tomber ma gomme. Voilà. Donc, le dessin, là, vous voyez, on fait comme ça. Hop là. Vous voyez, il est rapide, simple et il est joli. Donc, on a bientôt fini avec ce dessin. Si je pouvais vous donner des derniers conseils, les yeux. Un peu comme ça. Un peu style rigolo. En vrai, il est rigolo notre Pikachu. Hop. Ensuite, on va remettre tout en ordre. Là, ça va en vrai. Hop. Voilà. Nickel. J'ai même pas besoin de changer.
vous mets vraiment les étapes que je fais. Hop. Hop là. Là, vous voyez, il y a les petits joues de notre Pikachu. Et vous voyez, on a tout bien fait. Alors si, il y a des fans, ils vont me dire, ouais, t'as oublié ça, nanana, ça. Regardez. Il y est toujours pour faire la contrainte. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, tout est fait. Le Pikachu est assez joli. Je vais tout remettre en ordre. Et vous savez quoi? Je vous laisse avec mon dessin Pikachu du final. Donc voilà notre petit Pikachu. Il est très joli, je trouve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Surtout qu'on rush les 100K avant 2024. Les 100 000 abonnés, vous imaginez? Bon, je vous dis pas plus. C'était Malox et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!